Wow, c'est déjà la dernière vidéo de l'année 2018, c'est tellement passé vite. Dans seulement 3 jours, ça fera un an que je suis sur YouTube. On a quelques abonnés seulement, des 200 000, du coup je compte sur vous tous pour vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Il faut passer ce cap le plus vite possible. Pour cette dernière vidéo de l'année, je vous lance un ultime défi. S'il y a 10 000 likes avant demain 20 h, pendant un mois, j'achète toutes les boutiques. Vous avez bien entendu, toutes les danses, tous les skins qui sortiront pendant un mois, je serai obligé de les acheter et à chaque fois je mettrai une preuve dans mes vidéos. C'est à vous de jouer, si vous voulez me ruiner, vous explosez la barre des likes. N'oubliez surtout pas le code CréateurWaz dans la boutique avant vendredi, vous verrez pourquoi, je vous réserve une petite surprise. J'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Nice. Aujourd'hui, depuis 11 h du matin, toutes les heures environ, il y a un événement qui se passe avec des feux d'artifice. Juste avant ça, il y a un décompte de 10 secondes. Il y a une énorme boule disco qui apparaît, etc. Mais bon, rien de mieux que vous montrer un clip pour ça. Donc, je sec le clip et on se retrouve après. Wow, 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 wow! What the fuck? Wow! Wow! What? Wait, what is going on? What the hell is that? What the? Bro, what? Wait, bro, I can't move, I'm dancing. It went away? Wow. Wow. Comme vous le savez, il y a des décalages horaires en fonction du pays. Et tout simplement, dès qu'un pays passe en année 2019, il y a l'événement qui se produit. Donc par exemple, si un certain pays passe à 11 h, l'autre à midi, l'autre à 14 h, bah, durant ces 3 horaires, il y aura un événement dans toute l'Europe. Epic Games m'a encore fait fort, honnêtement. C'est vraiment magnifique comme expérience, on va dire. Au début, je me demandais ce que c'était. Ça a choqué un petit peu tous les streamers, etc. On savait pas ce qui se passait. En réalité, c'est ce que je vous ai dit, un événement pour la nouvelle année. Et justement, ce fameux événement va sûrement nous apporter énormément de récompenses. Il y a eu des leaks, mais pas encore de communiqué officiel. De toute façon, je pense que ça arrivera sûrement demain ou dans la semaine. On pourrait pourquoi pas gagner par exemple un skin, une pioche, une danse, une bannière ou encore un icône. Pourquoi pas également un écran de chargement, voire même carrément des V-Bucks. Et c'est justement ça le titre de la vidéo. Pourquoi pas offrir 2000 V-Bucks à tous les joueurs pour ce nouvel événement s'ils se connectent par exemple un ou deux jours après l'événement. Les récompenses, c'est pratiquement sûr qu'il en aura. Après, je sais pas s'il faudrait être connecté à minuit pile. Perso, je pense pas, car simplement ils savent bien qu'il y en a plein qui sont au restaurant, qui sont en famille et qui ne peuvent pas jouer à Fortnite. Donc je pense que le lendemain, ça marchera aussi. Pour nous offrir notre récompense, il y a plusieurs méthodes. Soit par exemple, quand on se connecte, ça nous met un petit message, félicitations, vous avez débloqué ça pour l'événement 2019. C'est un petit peu le truc basique quand on débloque un nouvel objet quand on est déconnecté. Par exemple, s'ils offrent un sac à dos ou quoi à cause d'une maintenance, bah c'est l'animation qu'ils mettent. Ou alors, ils peuvent faire ça sous forme de défi comme on avait eu par exemple pour l'anniversaire de Fortnite. On devrait par exemple jouer une partie dans la semaine ou quelque chose comme ça. Et en gros, ça nous forcerait du coup à faire ces fameux défis pour débloquer à chaque fois quelques récompenses. Je pense que c'est clairement la meilleure idée et qu'il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Pour cette nouvelle année, il faut savoir aussi qu'il y a Ninja qui va être en stream vers 22 h en France jusqu'à 10 h du matin, donc le lendemain. Il sera en direct de New York à Times Square, près de la Times Square Bowl. En gros, c'est simplement la bowl qui a été reproduite dans le jeu de Fortnite, donc la grosse boule disco qu'on peut voir dans l'événement, bah, c'est simplement celle qui est en réalité à New York. C'est un événement en partenariat avec Twitch et Red Bull, donc honnêtement ça va être grandiose et c'est justement là qu'on pourra par exemple savoir les nouveautés de Fortnite ou quoi au niveau des récompenses, je pense en tout cas, ou alors ils mettront peut-être un tweet basique ou quoi, mais je pense que dans la soirée on en saura plus. Si ça tombe, l'annonce se fera après minuit car il y aura un décalage avec les États-Unis et c'est quand même eux qui vont annoncer je pense les récompenses pour cette nouvelle année, mais Fortnite ne va clairement pas nous laisser sans rien. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que l'année 2019 nous réserve, que ce soit dans la vie en général ou même sur Fortnite. J'espère que ça se passera bien pour vous, donc déjà bonne année à l'avance à tous, en espérant que vos rêves se réalisent, etc. Je vais vous laisser ici, je vais vous laisser profiter de votre soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien si vous êtes nouveau, on a bientôt les 200 000 abonnés, je compte sur vous. N'hésitez pas à rejoindre la team Notif et à entrer mon code créateur dès maintenant dans la boutique. Je vous mets une petite vidéo explicative dès maintenant. On se retrouve normalement demain pour une vidéo avec un tout nouveau concept et un tout nouveau format. Un petit indice, ça touchera l'e-sport. Bonne soirée à tous, bonne année, ciao.